Salutaire et inédite pour cette troisième république, dans le seul souci
Ce que le commandant militaire
Taliban policier, voilà Taliban senior,
choisi parmi les militaires qui sont sur terrain, c'est-à-dire dans les deux provinces, donc qui vont être ou bien ils vont revenir en main. Ou bien ils reviennent prendre d'ailleurs, je pose cette question parce que vous êtes sans ignorer qu'il y a une certaine méfiance qui existe entre les populations des Litouris et du Nord qui vont vis-à-vis des militaires qui sont sur terrain. La deuxième question,
Supérieur, merci au général pour leur disponibilité.
Merci à vous aussi, Média, de vous être déplacé dans ce format nouveau. On va essayer d'améliorer parce que nous venons d'arriver. La volonté politique est là, je le disais hier à l'occasion de la journée de la liberté de la presse, pour que nous puissions aller en nous professionnalisant, à la fois nous comme institution publique, à la fois vous comme médias. Je crois que nous commençons avec ces baptêmes de feu parce qu'il faut gérer cette question de l'état de siège. Mais c'est bien parce que ça va nous aider à mieux appréhender ces questions. Nous aurons un peu plus d'intérêt sur les questions militaires. Moi, le général et Kassamba, nous sommes passés par les collèges de haute études et stratégie des défenses. Je vois aussi Mimi Moulongo qui est passé par là ou qui passe par là. Je crois que c'est une initiative qui nous permet de mieux appréhender les questions du pays. On vous reviendra bientôt pour des sujets maintenant spécifiques. On ira un peu plus dans les détails, un peu plus pour certains médias, pour avoir un message adapté. Parce qu'il est question de démontrer à nos frères du Nord Kivu et du Sud Kivu qui font partie d'un corps que ce qui nous touche aussi au plus haut point. C'est justement pour ça que le Congo est toujours aussi grand dans sa superficie, parce qu'il y a toujours cette fibre qui nous caractérise, et c'est cette fibre-là que nous voulons en ce moment pour que nous puissions voir si cette fois-ci, ce sera la bonne pour mettre fin à cette situation de guerre. Merci à tous ceux qui nous ont suivis à travers la télé, la radio. Nous nous retrouverons prochainement. Merci. NC3, la chaîne institutionnelle.